Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite vidéo spéciale, je n'en ai jamais fait. Donc on va faire une vidéo puisque c'est pas qu'on va faire un zigo. Voilà, je vais vous faire une recette, ça va nous changer. Donc je vais vous montrer ma façon de faire le zigo de Pâques. Bon déjà, c'est un zigo de champ. Hein. Il vous faut un gigot. Donc le mien il fait 1,282 kg. Alors il vous faut de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de la moutarde à l'ancienne, du thym, du laurier, de l'ail, des matières grasses, donc du beurre, ou moi je utilise beaucoup ça. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Et puis bon, un plat qui va au four bien sûr. Donc d'abord on va récupérer un éclat d'ail. Donc je vais mettre mon plat sur le côté d'abord. Donc pour l'instant j'en récupère qu'un seul, vous allez savoir pourquoi. Parce qu'un gigot il ne faut pas le piquer, sinon tout son jus va partir et il sera moins tendre. Donc, vous allez couper votre éclat en deux. Vous allez frotter votre gigot avec. Bien partout. Pas ici sur la tranche aussi, on n'oublie pas. Voilà. Donc, on peut reposer son gigot avec l'autre morceau. Donc là je vais faire pareil sur mon plat. Donc je vais pas le morceau d'ail, hein. Donc je vais remettre mon plat sur le côté pour l'instant. Alors, les ailes qui vous restent, donc j'enlève les premières peaux. Un couteau si c'est trop dur. On va récupérer quelques éclats. On va en mettre un sixième. Et là on va pas les éplucher, on va les mettre en chemise comme on dit, et on va juste les écraser un peu.
qu'elle a été bien écrasée. Voilà. Pour que leur parfum, si vous voyez qu'il y a un peu trop de peau, vous pouvez l'enlever quand même. Voilà. Hop, voilà. Et comme ça, leur parfum va se diffuser dans la sauce. Comme je l'ai dit, on ne pique pas le gigot. Donc maintenant, on reprend notre plat. On va y mettre notre gigot. Et là, on a nos mains bien propres parce qu'on va masser notre gigot avec l'huile. Donc une bonne huile, une huile d'olive ou une huile de tournée. On n'a pas peur de le masser. Ça permet au gigot de le rendre bien tendre. Donc ça, vous pouvez le faire quelques heures avant. Là, par contre, je vais prendre du sopalin. Pour tirer la main, ce sera mieux. Maintenant que votre gigot est bien massé, avec les mains grasses, c'est super pour avoir le goût vocal. Vous allez prendre donc de la moutarde à l'ancienne. Moi, je fais une spatule. Et vous allez bien venir badigeonner votre gigot pour former une croûte. N'ayez pas peur, hein. Craignez pas que ça fasse un goût trop moutardé. Après la sauce, ça y est. Voilà. On peut en mettre un peu sur la tranche. Ça n'aura pas trop le goût moutard ne va pas trop ressortir. Il y aura juste ce qu'il faut. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on peut saler. Très peu parce que la moutarde est déjà. Mais très peu. Parce que sinon ça va dessécher la viande. Là, le poivre. Alors, je suis pas pris. On peut mettre un peu de baie au moulin. Voilà. Donc là, malheureusement, je n'ai pas trouvé de fraîche. Mais il est préférable de mettre du thym frais, mais je n'en ai pas trouvé dans mon magasin. Donc tant pis. Je prends un avec du laurier. Donc la feuille de laurier, je la garde. Je peux la poser. C'est beaucoup mieux le thym frais hein, quand même. Si vous avez du romarin frais, vous pouvez en mettre.
Ça sent le thym quand même, hein. C'est pas du tout la même chose que quand c'est du frais. Hein. Voilà. Une petite alors les ailes, hein. J'ai dit non, je vais les mettre dans le fond. Du coup, si la peau s'en va, ben, on peut les enlever, sinon vous les laissez en chemise. Voilà, je vais enlever, je vous ai montré en chemise, c'est ce qu'il faut normalement faire pour la recette, mais là moi j'enlève la peau parce que j'ai un chouchou qui va pas aimer trouver des peaux d'ail dans son plat. Mais justement en écrasant l'ail, après la peau elle s'enlève tout facilement. Hein. Voilà. Donc ensuite, alors soit vous remettez de l'huile, soit vous remettez de la matière grasse comme ça, soit vous mettez du beurre, ça c'est à votre convenance, à l'habitude que vous avez. Donc moi je vais mettre ça. Donc, oui. J'en ai pas mal parce que je veux de la sauce. Voilà. Là maintenant j'ai oublié de vous dire, j'ai préchauffé mon four à 240 pendant 10 minutes. Donc là maintenant je vais mettre mon gigot au four, alors toujours à 240 pendant 15 minutes, et ensuite je vais le baisser à 200 degrés pour finir la cuisson. Alors on compte, si vous voulez votre gigot rosé, on compte 15 minutes par livre, donc pour 500 grammes, 15 minutes de cuisson. Si vous voulez à point, vous comptez 18 minutes par livre, donc par 500 grammes. Donc moi, nous, on le veut à point, donc nous, ce sera 18 minutes par 500 grammes. Voilà. Et comme il fait 1 kg 200, donc nous, ça fera 18, 36, un peu moins d'une heure. Voilà. Donc là, je vais mettre au four et on se retrouve après la cuisson. Merci, à tout de suite. Alors, pendant que mon gigot continue de cuire au four, donc là, il en est déjà à 20 minutes de cuisson. Je vais préparer, parce que nous, on aime bien la sauce. Donc moi, je rajoute ceci, du fond de rôti, voilà. Donc pour faire, je vais le rajouter, on va dire 10 minutes avant la fin de la cuisson du gigot. Donc là, celui-là, c'est le fond rôti, donc avec des herbes et des aromates. Hein. Il vous faut 300 ml d'eau. Donc moi, j'ai pris de l'eau tiède, enfin chaude. Et il faut donc 3 cuillères à café. Voilà, moi, c'est mes cuillères d'osette. 3 cuillères à café, 1, bon, je mets des bonnes, hein, des bonnes cuillères, voilà, ah, j'ai mis mon petit fouet, voilà, et on voit les herbes, désolé pour le bruit. J'aurais dû faire un traitement un peu plus pratique pour mélanger. J'en ai rajouté une petite quand même.
Voilà. Je referme parce que moi je suis Miss Catastrophe. Voilà, et donc moi cette liaison de sauce, je vais la rajouter, je vous dis, 10 minutes avant la fin de la cuisson, ce qui va me permettre en même temps d'arroser un peu mon gigot et de lier la sauce et d'avoir de la sauce pour servir le gigot. Voilà, donc là il nous reste à peu près 30 minutes de cuisson, donc on se retrouve pour la vidéo tout de suite. Mais moi, il me restera 30 minutes. À tout de suite. Je ne sais pas si vous allez voir, mais on entend le grésillement de la cuisson. Miam, miam, miam. Mon petit gigot qui cuit tout doucement. Alors, voilà mon gigot, il est cuit. Alors, là, on va de sortir un peu du plat pour commencer à le couper. Hop, sans se brûler. Donc voilà, là il est un peu, il est rosé, voyez, donc moi je vais devoir refaire cuire un tout petit peu. Donc là il a eu 45 minutes de cuisson, donc si vous les mettez comme ça, 45 minutes ça suffit. Si vous les mettez un tout petit peu plus cuit, on remet 10 minutes et il sera nickel en cuisson. Donc voilà, c'était mon gigot de Pâques. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo, ce nouveau type de vidéo vous aura plu. Si jamais vous en voulez encore, bah dites-le moi. Bon, je ne ferai pas les vidéos de cuisine tous les jours, hein, bien sûr. Mais si vous en voulez une de temps en temps, dites-le moi en barre d'infos. Et je vous en ferai de temps en temps pour des recettes un peu spéciales comme ça. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, à bientôt.